Bonjour les amis, bonjour c'est Mehdi. Alors je viens de vous faire une longue vidéo sur Jeffrey EP, plus loin Stein. C'est une vidéo assez spéciale, donc je vais voir si je vais la poster ou pas. Et après ça, j'avais envie de poser une question pour moi, savoir si Donald allait être élu. Alors j'ai commencé sans vous. Je voulais voir si les cartes allaient sortir, et là, voilà la coupe. Donc on va continuer le tirage ensemble. Il a l'espoir vraiment de revenir sur le trône, hein, c'est-à-dire de, voilà, Donald a l'espoir vraiment d'un coup de chance et de reprendre le pouvoir. Alors, est-ce que ça va se faire? On va regarder. Alors, est-ce que Donald va pouvoir retrouver son poste de président? Voilà. Excusez-moi, j'ai commencé sans vous, hein. J'avais envie de regarder pour moi, hein. Vous savez, les cartes, ça parle pas toujours. Mais enfin, là, la coupe, elle était tellement bien que je me suis dit, bon, on va y aller. Bon, pour l'instant, il est mal en point, hein. Bah oui, vous avez vu. Bon sang de bonsoir. Mais tout ce qu'on est en train de lui accrocher comme casserole, je n'ai jamais vu ça. Jamais. Là, ils sont en train de lui dire qu'il a touché de l'argent avec la Chine ou je ne sais pas quoi, alors qu'il était président, qu'il n'avait pas le droit. Enfin bref, je retrouverai l'article. Hein. Ça m'a saoulé, donc je n'ai pas tout lu. Et puis avant ça, ben, ils ont réussi à le décréter inéligible dans deux États. Et avant ça, il y avait encore plein d'autres casseroles. Enfin bref. Il est mal en point quand même, hein. En tout cas, il est mal en point. Alors là, effectivement, ça c'est la pression, le chantage, les influences ou le contre. Ils veulent l'empêcher d'agir, ça on avait compris. Ah, il y a le sceau quantique. Le sceau quantique. Et là, il y a les histoires de famille. Alors. C'est pas mauvais. Là, c'est mauvais, mais là, c'est pas mauvais. Bon, il y a quand même un pas qui est franchi. Alors, attendez. Sera-t-il président? Ça, c'est les familles aussi. Hein. Sera-t-il président? Le sceau quantique. Mais il y a quand même ici, on pleure quelqu'un. Alors, j'étais en train de revérifier le sceau quantique, parce qu'il y a plusieurs interprétations. C'est aussi des choses que l'on ne sait pas. Là, il y a une espèce d'ambivalence. Là, c'est la cohésion. Et là, c'est on abandonne. On abandonne. Ça, c'est pas bon. C'est-à-dire, pourquoi est-ce qu'il abandonne? Attendez, peut-être que je vais mettre mes cartes dans le bon sens. Oui, voilà, comme ça. Pourquoi est-ce qu'il y a un abandon? Il y a un croisé ici. Alors, j'ai quand même les opinions différentes là. Idéologie. Il y a une fracture. C'est comme si il y a une incompatibilité. Il y a un divorce. Ça, c'est une séparation avec la hache de guerre. Enfin, c'est pas la hache de guerre, mais enfin, c'est l'épée. Il y a quelque chose qui va l'empêcher, hein. Et j'ai peur qu'il renonce, moi, avec des cartes comme ça. Ouais, non. Mais j'ai pas l'impression qu'il va gagner. J'ai reposé la question dans ma tête et là, j'ai de nouveau une dispute. On va refaire un jeu. Il y a quelque chose qui va l'empêcher. Et du coup, il va devoir renoncer. Je sais pas exactement quoi. Attendez. On va redemander avec l'éclipse. Alors, est-ce que Donald va gagner? Ah ouais, non, mais je dis, c'est pas gagné, hein. Il a tellement d'ennemis. Est-ce que Donald va gagner des élections? Alors, le fer à cheval. Et ça, c'est quoi? Le karma. Ouais. D'accord. Bon, c'est vrai que pour l'instant, il est quand même donné gagnant malgré toutes les casseroles. Bon, ça peut expliquer le fer à cheval. Mais est-ce qu'il va être élu? La question, elle est claire et nette. Hein. Est-ce qu'il va gagner? Est-ce qu'il va pouvoir revenir en tant que président? Est-ce qu'il va être élu? Voilà. Alors, je sais que les cartes, elles sont retournées. Voilà. On va les mettre dans le bon sens. Alors, bah, c'est la même chose que l'autre côté. C'est fou quand même. Hein. Avec le symbole, on avait la corne d'abondance. Et là, c'est pareil. C'est un vœu. C'est le vœu. Wish, ça veut dire un vœu. D'accord. Bon, ça veut dire aussi qu'il y croit. Hein. En contre, c'est les ennemis puissants.
Là, il y a de la cire. Ouais. Et là, il y a un mauvais roi couronné. Alors, pourquoi j'ai de la cire? On va regarder ce que c'est. Elle n'est pas facile à comprendre, cette carte-là. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un d'autre qui sera couronné, vous avez vu, hein? Il y a bien une couronne, mais ça, c'est pas Donald, hein? C'est quelqu'un qui est mauvais. Alors, la cire, et là, il y a des choses. Il y a des choses cachées ou secrètes. Il y a quelqu'un d'autre qui va. Il y a quelqu'un d'autre qui aura le pouvoir, moi j'ai l'impression. Par contre, je vois pas ce qui l'empêche là. La cire. Pourquoi j'ai la cire? La cire, c'est malléable. La cire, ça prend forme. Ah oui, d'accord. Il y a quelque chose qui prend forme, qui va remonter à la surface. Encore un autre scandale, peut-être. Il y a effectivement quelque chose qui va être mis en lumière. Oh là là, ils vont lui recoller un autre truc, hein. Ils vont lui retrouver un autre truc au niveau de la justice, hein. Ouais, regardez, j'ai disappointment avec l'accent. Ça, c'est la déception, hein. C'est quelqu'un d'autre qui sera encore, voilà, drunkenness, qui sera encore pas net dans les addictions, qui sera couronné, hein. Je suis désolée, moi, j'ai... Ouais, enfin, ça, c'est mes cartes, hein. Après, voilà, j'ai sorti ça. Ils vont lui mettre encore sur le dos une autre affaire de justice. Et vous voyez, j'ai déception. Il y a quelqu'un d'autre qui passe là. Quelqu'un qui est pas bien. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur... Apparemment, c'est un homme, hein, c'est un crapaud. Volcan, bon. Explosion. Ah, et en plus, il y aura la guerre internationale. Ah, ben, c'est de mieux en mieux, hein. Oh, ben, d'accord. Oh, ben, dis, tu sors des trucs. Ben, ouais, je sais bien, mais regardez. International, explosion, donc bon. Non, mais c'est infertile, donc ça marchera pas. Hein. Je suis désolée, moi je le vois pas revenir. Hein. Avec des cartes comme ça, non. En astrologie, j'avais dit d'ailleurs que c'était pas sûr. Hein. C'était pas sûr du tout. Par contre, je sais pas qui est celui-ci là. Attendez. On va essayer de voir avec un autre jeu si on peut nous donner. Qui c'est qui va être couronné là? Oh, puis en plus, ça fait penser au truc de la santé. Hein. Qui va être couronné président au niveau des US? Ouais, donc il y en a effectivement un homme, voilà. Un homme qui est en train de plancher sur le sujet. Col blanc. Bon, c'est un politicien, ça. Vous hein, voyez, avec le cigare et tout, qui présente bien, qui est plus jeune. Bon, plus jeune. Bon, faut dire que Donald, il n'est pas jeune non plus. Hein. Il est dans 46, hein, je vous rappelle quand même. Hein. Alors, qui est celui-ci? Est-ce qu'on peut nous donner des infos? Eh ben, on ne sait pas qui c'est pour l'instant, il est caché. Eh ben, d'accord. Bon. Ah, il va plaire, hein? Oh là! Un séducteur. Il va plaire aux gens. Bon. Ah, attendez, il faut que je comprenne la carte, parce qu'elle est assez spéciale. Ah oui, d'accord, c'est un jeune qui prend la douche. Donc, dans quel sens faut que je la mette, celle-là? Ah oui, d'accord, elle était comme ça, pardon. Alors, c'est quelqu'un qui est en train de se préparer, j'ai envie de dire, parce qu'il prend sa douche. Hein. Donc, quelqu'un qui se prépare, là, hein, qui va se mettre en campagne. Ouais, bon, ben, on ne sait pas qui c'est, mais il est plus jeune. Ouais, je dis, on ne sait pas qui c'est, hein, ça fait deux fois quand même que je vous le dis. Hein. Regardez. Là, on ne le voit que de profil. C'est quelqu'un pour l'instant qui se cache un petit peu. Et là, il nous tourne le dos. Donc, bon. Bon, ok. Là, c'est quelqu'un qui regarde le frigo. Alors, je vois pas trop pourquoi il nous dit ça. C'est-à-dire quelqu'un de matérialiste, je suppose. Ah oui, il est en train de chercher éventuellement des ressources, peut-être pour sa campagne. Bon, allez, on va dire ça comme ça. Ouais, d'accord. D'accord, bah oui, c'est ce que je disais. Tout à l'heure, on avait un crapaud couronné. Là, on en a un autre qui est couronné, qui est un peu bizarre, qui n'a pas l'air très net non plus. Hein. Bof.
Mais par contre, ça, c'est quelqu'un qui risque de mettre l'accent, par exemple, sur le climat, sur la nature. Ah, il y a les criquets là. Ah, d'accord. Il y a quelqu'un qui va faire campagne en se servant aussi des, comment dire, des arguments climatiques. Je suis en train de regarder ce qu'il y a sur la carte. Ouais. Mais il n'est pas bon en fait. Il n'est pas bon du tout, cet homme-là. Non. Et vous voyez, il s'apprête. Il n'est pas encore en campagne, hein, mais il se prépare. Voilà. Il se prépare à rentrer en campagne. Là, encore une fois, il est en train d'attendre. Pour l'instant, il se protège, hein. Ils vont nous le sortir. Ouais, non, mais c'est quelqu'un qui est mauvais, hein. C'est un killer, hein. Oh là là, c'est un killer, hein. Donc c'est quelqu'un, une fois qu'il sera là, une fois qu'il apparaîtra, il abattra tous ses concurrents, hein. Bon, ils sont en train de nous le préparer. C'est en train de nous le préparer. Bon, on verra bien si j'ai raison ou pas. Donc Donald, à mon avis, non. Maintenant, bon, c'est qu'un jeu de cartes, hein. C'est que des petites cartes. Bon, on va en faire un autre. Et là, je vous dis qu'il a des ennemis puissants, moi, Donald. Hein. Mais de toute façon, étant donné que je vois qu'en astrologie, qu'il y aura un problème mondial de guerre et de conflit, machin, c'est que ça peut pas être Donald, parce qu'on sait très bien que lui, il veut pas de guerre. Et comme j'en vois une, moi, ça peut pas être lui. Logique, hein. Donc, c'est aussi pour ça qu'ils, entre guillemets, ne veulent pas qu'ils reviennent. Parce qu'ils savent très bien que leur plan ne pourra pas se réaliser, parce qu'on sait très bien que les mondialistes veulent une guerre. Bon, ok. Qu'est-ce qu'on peut nous dire à ce sujet d'ailleurs? Alors, je sais pas si je vais pouvoir prendre ce jeu-là ou un autre. Oh, j'ai pas trop envie de parler de guerre, moi. Ouais, j'ai pas envie. Franchement, hein. Je pense vous entendre de votre côté aussi. Vous avez pas envie non plus. Hein. Non. Bon. Tiens, on va demander. Je sais que Patty a fait un tirage sur Monsieur Jeu. Moi, je l'ai sorti en astro, hein, qu'il allait dégager. On va quand même proposer la question, puisque les cartes ont l'air de vouloir parler. Allez, on va regarder. Tiens, on va prendre l'allusion de l'univers. On va demander s'il va y avoir un truc qui pourrait le faire partir. Alors, monsieur a l'ego démesuré. Monsieur, tout va bien, monsieur, en même temps. Ah, tiens, on aura pu l'appeler comme ça, en même temps. En même temps, je suis psychopathe, et en même temps, j'aime la farine. Bah, il faut bien rigoler un peu quand même, hein. En même temps, je suis un crétin fini, et en même temps, je pense être le plus intelligent de l'univers. Ouais, bah, c'est quelqu'un. Voilà, c'est ça, en fait. Il pense résoudre tout, puis en fait, il fait n'importe quoi. Mais est-ce qu'il le fait à dessein, ou est-ce qu'il est vraiment débile? On peut se demander parfois, hein. Parce qu'il se rend quand même vraiment ridicule, hein. Et ça, à mon avis, il le fait pas exprès. Bon, alors. Alors, monsieur en même temps. Pardon. Monsieur en même temps. Est-ce que tu vas dégager? Allez, on y va. Bon, là, il y a les histoires de couple et d'enfants. Tiens, ça, c'est curieux. Bon, aucune idée, hein. C'est mon jeu, hein. Moi, je donne la responsabilité. Allez, monsieur, en même temps, qu'est-ce qui va t'arriver là? J'avais déjà fait une vidéo sur, je sais. Bonne année, Manu, hein. Ouais, bon, bah, écoutez, on va regarder quand même, hein. Allez, qu'est-ce qui sort? Bon, bah là, il y a quand même, voilà, qui vous savez qui lui tend la main, hein, ou alors dans l'autre sens, hein, je sais plus, moi. Bon, en tout cas, il y a le couple. Bon, ok. Il y a le couple. Il y a le temps. Le temps qui joue contre lui. C'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, un oiseau qui vient boire au robinet. Ah, attendez, faut que je reprenne comment, moi? Un oiseau qui vient boire au robinet. Bon, d'accord. Et ça, c'est quoi? Des choses qui se dessinent. Alors là, je vois. C'est aussi le compte-gouttes. Oui, d'accord. Mais il y a la notion d'avoir soif. Notion de pénurie, là. Il y a une notion de pénurie. Il manque de quelque chose. On manque de quelque chose. D'accord. Ok. C'est-à-dire. Qu'est-ce que tu veux nous dire, là? Tu vas faire une carte sur lui, quand même. Mais c'est la femme qui mène l'homme, hein.
ici. Je dis ça comme ça, hein. Enfin, la femme, on se comprend, hein. On se comprend. Bon, alors effectivement, il y a des histoires de course contre la montre, de vouloir gagner quelque chose, d'accord. Ah, ah. Alors, le temps, il y a une décision de justice. Bon, là, il y a quelque chose qui va le rattraper, je pense, j'espère. Là, il y a des histoires de bien-être. Et là, il y a des histoires de réseaux sociaux. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu es en train de nous dire? Moi, j'étais en train de demander s'il allait dégager. Qu'est-ce que tu es en train de me raconter? Il y a des choses, et quelque chose dont les gens vont beaucoup parler. Il y a un squelette qui sort du placard. Bon, il y a un scandale. D'accord. Mais il y a aussi, au compte-goutte, il y a un compte-goutte. Mais il y a un... Ah oui, d'accord. Ça peut être l'information qu'on nous donne au compte-goutte ou l'information qui est retenue éventuellement. L'information qui est retenue, pourtant... Ouais, on empêche... Voilà, c'est ça. On empêche de sortir... pardon. Ouais, on empêche un squelette de sortir du placard. Donc, on empêche un scandale de remonter. C'est ça. Donc, c'est pour ça qu'il y a un truc qui arrive au compte-goutte, là. Bien. Pourtant, il y a des choses qui sont en préparation, ici. Et ça va être médiatisé sur les réseaux sociaux. Alors là, j'ai le printemps. Bon. Le printemps. Printemps, l'été? Non, le printemps. Quelque chose qui escalade. Quelqu'un qui va tout en haut. Peut-être pour se mettre à l'abri. Qu'est-ce qui va se... Qu'est-ce c'est quoi ce truc qui sort du placard, là? Je sens que ça vous intéresse, moi aussi. Qu'est-ce que c'est que c'est... Oui, non, mais c'est un secret, hein. Attendez, un truc qu'on nous cache, là. Alors, attendez. Vous ne le voyez pas sur la carte, parce que c'est très sombre, mais il y a deux personnes qui se tiennent la main. Il y en a une qui est plus petite que l'autre. Bon, il y a un scandale, là. Il y a un scandale par rapport à deux personnes qui sortent la nuit ou qui sont cachées. Et là, alors là, ben, il y a un veuvage. Il y a un truc, une catastrophe, ici. Il y a un truc, une catastrophe. Une blonde qui pleure. Une blonde, peut-être, avec une perruque qui pleure. Pourquoi elle pleure? Pourquoi tu pleures, madame? Quelque chose qui va arriver à la lumière. Bon, ok. Oh là là, c'est compliqué, ça. Bon, moi, j'ai envie de dire qu'il y a un truc qui sort du placard, hein, et dont tout le monde va parler sur les réseaux. Et qui fait le désespoir d'une blonde. Alors, est-ce que c'est justement par rapport à monsieur en même temps? Il y a quelqu'un qui prend la poudre des scampettes, là. Ouais, il y en a un qui s'en va, hein. Mais je ne sais pas pourquoi. Après, il doit y avoir des réunions, tout ça. Ça, ça peut être le gouv, hein. Je vais prendre un autre jeu pour voir ce que ça peut être. C'est très mystérieux, ça. Alors, qu'est-ce que c'est que ce squelette qui sort du placard ou qu'on empêche de sortir du placard et qui va quand même réussir à sortir du placard? Parce que là, on a quand même, vous voyez, un truc là. Une décision de justice. Bon, ça ne peut pas être la justice puisque on sait qu'il échappe à tous les, toutes les lattes de corruption. Ah, j'ai quand même la mort, moi. Attendez, c'est quoi ça? C'est quoi la coupe? La mort est la solution à tous les maux. Ouais. Bon. Est-ce qu'il y a un souci de santé ou autre chose? Oups, c'est quoi ça? La convoitise, oui. Les étoiles. Bon alors, c'est vraiment mystérieux, hein. L'hélice, il va être rattrapé par quelque chose. Je ne sais pas ce que c'est. Désolé. Aucune idée. Ah, il y a quelque chose qui va se savoir. Il y a quelque chose qui va se savoir. Oui, mais quoi? Quoi? Il y a aussi des gens qui font tout justement pour que les choses se sachent. Alors, est-ce que c'est en rapport avec la guerre? Ah, j'ai un chat qui ronfle derrière. Ah bah t'es là toi? J'ai mon chat qui vient de me rejoindre, j'ai même pas entendu. Bon, alors. J'ai
brave, il dort, il est brave. Oui, alors faut pas que je me déconcentre. Alors là, il y a quelque chose. C'est marrant, il y a un truc, hein. Oh là là. Bon, il y a un truc qui va remonter à la surface et il va devoir partir. Mais moi, j'ai l'impression que c'est soit... ouais, ça peut être un attentat quand même avec ça. Mais pourquoi j'ai le squelette qui sort du placard? Mais en même temps, il y a un truc qui sort. L'ego, ego, égoïsme, bon, ça c'est lui, hein. Qu'est-ce qui va le faire partir? On va dire ça comme ça. Un cadeau. Qu'est-ce qui va le faire partir? Un cadeau. Ouais, il va y avoir un cadeau qui va nous être donné, hein. Non, mais il y a un truc par rapport à l'argent. C'est marrant, c'est toujours le manque d'argent. C'est l'argent. Alors, un cadeau qu'il aurait fait alors qu'on n'a pas d'argent. Un truc comme ça. Je sais pas, il y a un truc... ça peut être ça. Ça peut vraiment être ça. Lack of money, hein. Bah oui, il n'y a plus d'argent. Pourtant, il y a un cadeau. Alors, soit il a reçu un cadeau, alors qu'il n'y a pas d'argent pour les Français, ou alors c'est lui qui a fait un cadeau alors qu'il n'y a pas d'argent pour les Français. Il y a un truc financier, là, quand même. J'ai l'argent qui est sorti. Est-ce que c'est pour un financement de guerre? Un financement de choses très, très mauvaises? Enfin, pour l'instant, ça ne l'a pas empêché de continuer, parce qu'on sait qu'il a, il a versé des trucs de ci, de là. Ouais, mais regardez, j'ai quand même le soleil, hein, donc c'est... Ça a l'air d'être assez grave, cette histoire. Être assez grave, il y a des ramifications. Ouais. Bon, apparemment, ça va être la solution pour qu'il s'en aille. Bon, bah, écoutez, je sais pas, voilà. Un truc qui sort du placard, en relation avec l'argent, apparemment. Et c'est ça qui va faire qu'il va partir. Ah, je pensais pas que ce serait l'argent, moi. Est-ce qu'on peut nous dire d'autre, mon petit Dixit? Qu'est-ce que t'en penses, toi? Qu'est-ce qui va le faire partir? Le manque d'argent. Ah, peut-être qu'il n'y aura plus d'argent du tout, quoi. Ouais, il y a une bonne surprise, là, à ce niveau-là. Hein. Ouais, il y a une bonne surprise. Il y a la réalisation de quelque chose. Parce que les gens n'en peuvent plus, hein. Les gens veulent le voir partir. Hein. Qu'est-ce qui va le faire partir? Qu'est-ce qui va le faire partir? Non, mais les gens, ils n'en peuvent plus, là. Alors, il va y avoir un chaos pas possible en France, mais ça, moi, je l'avais déjà dit, de toute façon, hein, que ce soit en astrologie ou en voyance. Il y a un problème. Il y a un problème de nourriture aussi. Il y a un problème de nourriture. Ça, ça peut être les agriculteurs. C'est-à-dire que si on n'a plus rien dans les assiettes, là, ça va mal se passer quand même. Hein. Si les gens, ils ont faim. Non, mais il va partir, hein. Il va partir. Oui, il va partir. Et la France va attendre que quelqu'un d'autre prenne le relais. Ouais, mais bon, c'est Pinocchio. Bon, vous savez qui c'est. Hein. Alors, c'est soit qui vous savez. Et on va s'apercevoir qu'il a menti encore sur un truc en super grave. Ou soit c'en est un autre qui arrive, qui est exactement menteur, pareil que lui. Ça, c'est pas impossible. C'est le problème, d'ailleurs. Ouais, c'est bien possible. Hmm. C'est bien possible qu'il y en ait un autre qui arrive et qu'il soit tout aussi menteur. Bon, alors, comment vous dire? La dette. La dette, la dette, la dette, l'argent... L'argent manque, les Français n'ont plus d'argent et ça va continuer. Il y a un manque d'argent, il y a un manque d'argent, il y a un problème financier qui va arriver. Voilà. Et c'est ça qui va le faire partir. Il a vidé les caisses, quoi. Il y a un truc comme ça, hein. Mais ça va se savoir. Ouais, ça va se savoir. Ouais, ouais, c'est la fin de l'abondance. Ben voilà, c'est la fin de l'abondance. Il va y avoir un problème de nourriture ou d'argent en France. Alors, d'un autre côté, satisfaction parce qu'il va se barrer. Ben ouais. Bon, ok.
Mais bon, les choses vont être bien bloquées. Hein. C'est la petite satisfaction. Alors, il y a quand même un qui a un beefsteak, là. Donc, moi, j'aimerais savoir qui c'est qui va avoir un beefsteak alors que je vois quand même des gros problèmes. Ah, ouais. Oh, ça, c'est joli, ça. Ça, c'est joli. Les familles. Il y a quelque chose, quand même, de bien pour les familles, là. Ça, c'est marrant. Il y a quand même quelque chose de bien. Ouais, il y a quand même quelque chose de bien pour les familles. Bon, ok. Et il y a des problèmes aussi internationaux. Ça, on est d'accord. Bon, après, ça se complique. D'accord. Bah, écoutez, moi, je pense qu'il va devoir partir, effectivement, qu'il y aura un problème d'argent, un truc qui va ressortir encore, un scandale. Que les choses ne vont plus aller du tout, du tout, du tout, du tout. Qu'il y en a un autre qui va en profiter pour arriver. Mais attention, il n'est pas forcément mieux, hein. Et que l'autre, il va se barrer, hein. Ouais. Bon, ok. Donc oui, monsieur s'en va. Bon, que vous dire d'autre? Bah, pour l'instant, ça suffit, hein. On arrête là. Voilà. Donc on verra bien. Est-ce que c'est rapidement? Parce qu'on n'arrête pas de me dire, mais c'est quand? Mais c'est quand? Ben, on va regarder avec le 32. Est-ce que c'est quand? Alors, est-ce que c'est premier trimestre? Monsieur, en même temps, quand est-ce qu'il s'en va? Pour l'instant, la coupe ne me dit rien. Alors, est-ce qu'il s'en va rapidement ou pas? Mais bon, c'est pas ça qui va tout résoudre, hein. Ce sera quand même un soulagement. Bon, il y a de la colère, d'accord. Non, oui. Bon, il y a bien une surprise. Ah, j'ai pas de datation avec ça, moi. Est-ce que ça peut être en fin d'année? Donne-moi une datation, s'il te plaît. Oups. Bon, là, il m'a dit simplement qu'il s'en va. Il s'en va avec sa chair et tendre. C'est une certitude, hein? C'est une certitude. Ça peut être en fin d'année quand même. Non, c'est pas de chance, hein. J'ai du mal à avoir le temps. Ah, le temps, hein. Bah ouais, je sais bien. Le temps. Attendez, je vais redemander. Ouais, il y a un petit jeu là qui me donne les périodes. On va lui demander. Voir si ça sort. Alors, je regarde pas la coupe. Voilà. Quand est-ce que monsieur, en même temps, s'en va? Bah, regardez, vous voyez. J'avais sorti en fin d'année. Il a même dit en novembre. Bon, écoutez, allez, on va rester là-dessus. Plutôt en fin d'année. Donc, il va falloir attendre vraiment que le chaos arrive. Et il arrive. Lentement, mais sûrement, il arrive. Voilà. Bon, écoutez, on verra si c'est bien sorti. Hein. De toute façon, on fera des jeux entre nous. Hein. Bon, ben, je vous dirai à bientôt sur cette bonne nouvelle-là, bien sûr. Donc, je vous dirai à bientôt. Et puis, passez un bon week-end. Au revoir.